Wesh l'équipe, c'est Wawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est Pervez les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série qui va sortir sur ma chaîne YouTube, qui est ma carrière joueur. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, on arrive au jour tant attendu en faisant ma carrière joueur. On va commencer tout de suite, on va créer notre joueur professionnel sur ce FIFA. Oui, c'est. En fait, je suis content parce que c'est une nouvelle série qui va démarrer. Je pense que ça sera une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les 2 jours. Moi, je vais essayer de partir sur une vidéo tous les jours en espérant que ça va vous plaire. Ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour vous mettez go deuxième épisode, vous faites péter la barre des pouces bleus, tout ce que vous voulez. C'est parti, on va commencer la création de mon personnage sur ce FIFA. Bon, comme prénom, non, moi j'ai déjà eu l'idée, je vais l'appeler Amine. Amine, j'ai déjà une carrière joueur pour de mon côté, mais ça va être son petit frère là, ça va être Amine. Attention, son nom, ça c'est son prénom et son nom de famille, ça va être. Attention, compte à bourre, Amine Zakaria. Voilà, Amine Zakaria qui est présent. Ça fait plaisir. Amine Zakaria qui va être, vous allez voir. Hop là, Zakaria a rejoint. Pseudo, il n'y a pas de pseudo. Voilà, numéro 7 à la CR7. Pays région, on va laisser, vu que je suis algérien, il n'y a pas d'Algérie. Il n'y a pas l'Algérie sur ce FIFA. On va laisser la France. On va mettre 2004. Non, non, non. En vrai, je vais pas mettre la France. Vous allez voir, je vais mettre qui? Je vais mettre Maroc. On va représenter le Maroc. Il n'y a pas l'Algérie. On va gagner la Coupe du Monde avec le Maroc. Il est né en juin. Il est né en juin le 26. Je sais pas, j'ai mis au hasard le 26 juin. Corpulence, il va être petit, un peu taille, il va faire cette taille-là, on va lui mettre, je sais pas, on voit pas le prix, hop là, ça c'est fait, tac, 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 ça c'est fini, voilà, poste, on va lui mettre attaquant, buteur, voilà, c'est pas beau tout ça, attaquant, buteur, ça fait toujours plaisir, hop là, tac, anime, oh là là, mais c'est pas beau, oh là là, ça fait toujours plaisir, voilà quoi, et après poste but, je l'ai déjà dit, la tête, le visage de notre perso. Le visage, attention, je vais lui mettre la petite barre comme ça, avec la coupe de cheveux, on va lui mettre le petit, non, pas celui-là, elle est moche, on va lui mettre, attention, on va lui mettre les contours comme ça, je pense, pour commencer, les contours, ou non, les locks comme ça, allez, je pars sur les locks, ça, c'est fait, on va mettre une petite teinture, on va mettre la teinture blonde, c'est quand on sera à notre prime, là. On va mettre la teinture blanche, ça c'est beau. Pour son retour sur le terrain à Amine Zakaria, on va mettre maillot non rentré, élastique maillot, on va mettre maillot de corps, hop là, coupe maillot, on va mettre coupe serrée. C'est ça se voit, j'ai l'habitude de faire les carrières, ça je vois quand même, faut pas le mentir, ça se voit. Comme crampon, on va mettre les Adidas X-Speed Flow. Chaussettes, on va mettre chaussettes basses. Poignet, oui, je suis un tâteur, oui, je vous le dis, je suis. Karim Benzema, deuxième Karim Benzema, il est là, c'est. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de mettre ça, quoi, voilà. Tête, voilà, j'ai déjà mis maillot, c'est bon. Animation. Comme animation pour ce jeune joueur qui vient de rentrer, on va lui mettre une petite célébration tranquillement pour pas qu'il fasse un peu le mec, voilà, quoi. On va mettre marche joyeuse. Bon, non, non, portable, hypnose? Voilà, on va mettre une toute petite célébration avec l'équipe. Et là, on va mettre celle de CR7. Là, je vous dis, je mets tout CR7, moi. À la mode CR7, ici, on est en mode CR7. On est là pour abattre course. On va mettre la classe, voilà. Voilà, Amine Zakaria qui est créé comme pro. On va mettre suivant. Et comme équipe, j'ai décidé, on va rejoindre. Ça va pas être l'Olympique Lyonnais, ça va pas être en France. On va directement signer en première ligue. On est là pour montrer. On est là. On va signer. Attention. Vous allez voir, c'est pas une grosse équipe. Vous vous inquiétez même pas. On va signer. On va signer à Fulham avec Marco Silva. Et ben non, on va signer à Crystal Palace avec Patrick Vieira qui voulait, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, je te signe pour ton premier contrat. C'est-à-dire, on va rejoindre. Je suis en difficulté. Moi, je mets légendaire. 6 minutes, on va mettre 4 minutes. Voilà, ça c'est fait. On va continuer. Voilà, Amine Zakaria qui rejoint le football
anglais. Ça fait pas plaisir, tout ça. Le football, pourquoi nous l'aimons? Les stars, la foule, l'intensité d'un match, des buts, des tacles. Oh là là, ça fait plaisir. On va créer notre carrière, on va marquer YTB. C'est la carrière de YouTube, celle-là. Oui, c'est pour vous que j'ai fait cette carrière. Oh là là, la petite animation, je vous laisse avec ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Premier contrat pro pour Amine Zakaria qui va prouver qu'il va devenir une légende du foot, qui va essayer de rattraper son idole qui est Karim Benzema avec Cristiano Ronaldo. Allez, c'est parti tout ça. Voilà les nouveaux qui nous rejoignent, c'est qui? Voilà Patrick Vieira qui est content de sa signature de son joueur. Qui est content, bah voilà. Qui va venir parler à son jeune joueur qui vient de signer actuellement au Crystal Palace. Regardez. L'adjoint qui va venir parler avec lui, voilà. Voilà, amigo, c'est à moi maintenant de prouver. C'est parti pour prouver. Voilà mon joueur qui est prêt. Amine Zakaria qui va abattre des carrières. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah là là, il fait 1 mètre combien mon perso? Mon perso, il fait 1 m 70. Oui, c'est bon. Le poids, on va lui mettre un bon petit 50 qui sera affûté. 79 de vitesse, 70 de tir. C'est propre déjà pour un début. Et voilà, je suis content. Amine Zakaria qui vient de signer son premier. Voilà, on va saluer le staff. On va saluer tout le monde. Saluer les coéquipiers. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller faire les petits entraînements. Et voilà quoi, les mecs. Je vais faire les entraînements et on se retrouve pour la suite. Allez, let's go. Là, j'ai fini les entraînements avec mes premiers entraînements sous les couleurs de Crystal Palace. Ça s'est très bien passé. Il a aimé mes scénarios. J'ai été très bon. On passe du coup niveau 3. On a 9 points de compétences qu'on va utiliser tout de suite. 9 points de compétences, ça fait toujours plaisir. Voilà quoi. On va prendre le. Si 9 points de compétences, je suis content. Hop, ben, on va aller dans mon pro, progression, joueur. Moi, vous savez, je les mets toujours où je les commence toujours avec la vitesse. On essaie d'améliorer au max la vitesse de mon perso le plus rapidement possible pour qu'il fasse mal aux défenseurs sur ce terrain. C'est maintenant qu'il faut maintenant que Amine Zakaria il abat. Faut que c'est tout de suite. Maintenant, regardez Zakaria. C'est pas beau son premier contrat pro. On le voit dans. Comment s'appelle? On le voit dans son sourire qu'il est content. Regardez Zakaria prend son. Prend de l'envergure carrément. Le club a confirmé que Amine Zakaria, un jeune espoir de 18 ans, sera aligné en équipe première pour la saison à venir. Vieira n'a pas tardé à justifier cette décision. Chaque club souhaite faire éclore de nouveaux talents et nous ne dérogeons pas à la règle grâce à lui. Nous avons plus d'options à ce poste. Buteur, n'oubliez pas ce nom. Zakaria, vous. Vous entendrez sûrement parler de lui à l'avenir. Attention, comment il s'appelle? Patrick Vieira qui nous fait confiance. Vieira qui nous fait confiance. On va pas le décevoir. On va pas le décevoir. J'espère que qu'on va pas le décevoir durant cette saison. Là qu'on a fait des bonnes prestations aux entraînements, on va continuer. On continue à faire des bonnes prestations. On va rendre content notre coach en espérant que ça se passe bien sous les couleurs de Crystal Palace. Moi, mon objectif cette saison, c'est clairement, je vous le dis, c'est gagner le championnat, finir meilleur buteur, joueur de la compétition. Et voilà quoi. On récupère 3 points de compétence. On va les garder. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. C'est intelligent ce que je veux faire. Comme ça, j'améliore direct mon perso au max de sa vitesse. Comme ça sera déjà fini. Ça, on pensera pas ça directement. On pourra penser au tir et tout. Et voilà quoi. Il y a déjà le premier match, mais ça, c'est les matchs amicaux. Moi, les matchs amicaux, je vous mens pas, je les fais jamais. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà, on débloque plusieurs scénarios. On a des investissements à faire aussi, mais j'ai pas l'argent encore. Bon, je vais passer tout ça, je vais faire les entraînements tranquillement. On se retrouvera pour le premier match de championnat. Allez voir ce qui se passe tout de suite en la fond info mondiale. On va voir est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont été signés en première ligue pour essayer de rivaliser avec Amine Zakaria. Il y a Arsenal qui ont recruté Marcus Thuram pour 30 millions 500 000 euros. Thuram, l'arrivée de ce joueur de 24 ans, ok, 24 ans, c'est intéressant. Aussi pour Nam qui achète un joueur à 7 millions, 23 ans. Mais est-ce qu'il y a des grosses recrues pour l'instant? J'ai vu, il y avait
Brighton qui ont signé Jonathan David, qui a actuellement 22 ans, ça veut dire qu'il veut prouver en première ligue. Mais vous inquiétez pas, il y a Amine Zakaria qui va l'empêcher. Vous allez voir, ça va trop bien se passer. C'est parti là, ok, là j'ai des mauvais matchs. Ça, c'est les matchs intersaison que j'ai fait. C'est pas intéressant ça, c'est pas dans ça qu'on veut prouver. Nous, on veut prouver comment ça s'appelle, on veut prouver en première ligue. Là, déjà, les entraînements qui sont déjà présents. Vous pouvez voir en haut, j'ai déjà 10 points de compétence. C'est 10 points de compétence. On va aller les utiliser tout de suite. Venez, hop, on va aller dans mon pro. Progression joueur. On va aller dans la vitesse. On va lui mettre full vitesse déjà. C'est sûr, comme ça, il va abattre sur le terrain. Ça se fait déjà. La vitesse full qui est déjà tout améliorée. 95 de vitesse. Il va courir. Il est là pour abattre. Je vous le dis tout de suite. Il va être là pour abattre. Ah, voilà, notre premier match de. Comment il s'appelle? Notre premier match de championnat est arrivé. Ça va être contre le Leeds United. Est-ce que nous allons gagner? Nous irons voir ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, c'était une présentation de mon pro. Et on allait le créer, présentation, faire les entraînements, déjà l'améliorer pour le premier match qui va arriver contre le Leeds United pour la prochaine vidéo. Est-ce que nous allons le remporter? Suspense dans la prochaine vidéo. Tes performances ont été impressionnantes à l'intersaison. Je vais te titulariser pour le prochain match. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut faire des grandes choses ensemble. Bonne chance cordialement. Vira qui m'envoie un message de soutien. On va lui prouver ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager chez les mecs. On se retrouve pour une prochaine. Peace!